Père, nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, je viens voir aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Oui, c'est mon désir. Aide de te servir. De te nourrir de ta loi. Et te plaire. Assoiffé. Assoiffé. Bien disposé. Me réjouir. Thank you.
Ce matin, nous disons bonjour au Saint-Esprit. Shalom à la personne qui est connectée à côté de vous. Shalom, shalom. Alors dites-moi si vous m'entendez bien. Gloire à Dieu. Dites-moi si vous m'entendez. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Merci de partager la vidéo. Merci d'aimer la vidéo. Aimez déjà la vidéo comme ça c'est fait. Partagez la vidéo. Dieu est bon ce matin pour nous. Dieu est bon. Dieu nous a fait du bien. Il nous a encore renouvelé le souffle de vie ce matin, gratuitement. Nous n'avons rien payé. Tu n'as rien payé. Amen. Tu es en vie ce matin. La grâce de Dieu t'a réveillé ce matin. L'amour de Dieu t'a donné le souffle, t'a donné le mouvement. Tu peux bouger. T'a donné l'être. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, reconnais sa grâce ce matin. Bien-aimé, nous voulons bénir le Seigneur. Alors, dites-moi si vous m'entendez. Ok. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alors, je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce matin. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour la porte de cette semaine que tu ouvres devant nous ce matin. Merci de nous accorder la grâce, ô Dieu, de rentrer, de planter nos deux pieds dans la porte de cette semaine. Merci de permettre à nos yeux de voir l'ouverture, Seigneur, de la porte de cette semaine. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, ô Dieu, parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés. Tu nous as encore donné une nouvelle journée aujourd'hui, afin que nous puissions encore faire ta volonté. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Tendre Père, ce matin, nous venons encore nous joindre aux anges des cieux afin de te célébrer, afin de te magnifier, afin, Seigneur, d'exalter ton nom, afin, Seigneur, ô Dieu, de crier ta bonté, Seigneur, afin de chanter, Seigneur, les chants d'adoration, afin, Seigneur, de te dire que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange, prends le contrôle de ce temps de prière. Règne en maître et en seigneur et que le Saint-Esprit nous assiste. Le Saint-Esprit qui prie mieux que nous. Le Saint-Esprit qui sait exactement ce qu'il nous convient de demander. Que le Saint-Esprit prenne la place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, dans notre parole, dans notre prière. Et que tout soit pour ta gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus.
Je te bénis ce matin, je te loue ce matin, et que toute l'honneur et toute la gloire soient pour ton seul nom, ô Seigneur Jésus. Et que ton sang précieux sécurise, garde, Seigneur, prends le contrôle de ce temps de prière du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'acclame le Seigneur ce matin. J'acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu peux acclamer. Si tu peux acclamer, vous savez, moi j'acclame avec, comme on est la nuit, on est encore la nuit, j'acclame avec mes deux doigts. Amen. Je prends l'index et le majeur et j'acclame. Voilà, comme ça, même si quelqu'un dort à côté de moi, je ne dérange pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu acclames, tu acclames, tu acclames. Voilà. Si là où tu te trouves, il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, peut-être que tu es dans la chambre, eh bien, prends tes deux doigts. Amen. Moi, je suis au salon, donc je peux acclamer encore plus fort. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur ce matin. On acclame notre Dieu ce matin. On veut se joindre aux anges, à l'armée des cieux ce matin, afin de célébrer notre Dieu, afin de le magnifier, afin de lui dire merci, parce que nous reconnaissons que ce n'est pas un acquis. Amen. Ce n'est pas un acquis d'être en vie, mais c'est une grâce. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alors, ce matin, bien-aimés, nous nous tenons à la porte de l'aurore. Avant le lever du soleil, amen, nous nous positionnons dans la prière afin de pouvoir dominer notre journée et d'avoir la victoire dans notre journée. Alors, ce matin, bien-aimés, nous voulons traiter avec les problèmes persistants. Amen. Vaincre les problèmes persistants tôt le matin. Vaincre les problèmes persistants tôt le matin. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 15 à partir du verset 13. Alléluia. Matthieu 15. Merci Seigneur. Matthieu 15. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 13. Alors s'il vous plaît, merci d'aimer la vidéo. Aimez déjà la vidéo. Voilà, il n'y a pas beaucoup de j'aime là. Permettez à quelqu'un de voir cette vidéo. Votre j'aime est d'une haute importance parce que ça peut permettre à une personne qui n'a pas reçu le lien de voir la vidéo. Ça peut permettre à quelqu'un qui est en train de surfer sur YouTube en ce moment et qui cherche une prière de voir celle-ci. Amen. Alors, vraiment, je vous demande d'aimer la vidéo. D'aimer la vidéo. Voilà, qu'on arrive déjà à plus de 100 j'aime, c'est une bonne chose. Et au fur et à mesure, nous allons continuer. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Alléluia. « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. » Gloire à Dieu. Bien-aimé, ici c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il leur dit que toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Ça veut dire que le planteur, ça veut dire que le semeur, c'est le Père céleste. Et le Seigneur est en train d'affirmer que tout ce que le Père, notre Père dans les cieux, n'a pas planté, sera assurément déraciné. Alléluia. Il arrive, bien-aimé, dans la vie, que nous passons des moments où les choses sont en train d'être persistants. Il arrive dans la vie que nous puissions passer des moments où nous avons certains problèmes qui persistent. Amen. Où nous avons certains problèmes qui n'ont pas l'air de bouger, qui n'ont pas l'air de se décanter. Des fois, nous vivons des moments où on a l'impression que malgré qu'on prie, malgré qu'on fait tout ce qu'on a à faire, on prie pour le problème, on fait tout ce qu'on peut faire, mais ça ne marche pas. Alléluia. Ça peut être un problème spirituel, ça peut aussi être un problème médical. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que le souhait de Dieu, l'objectif de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que ce problème-là soit déraciné. Alléluia. Le souhait de Dieu, le souhait de ton Père qui est dans les cieux, c'est que ce problème soit déraciné. Parce que le Seigneur Jésus a dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. En d'autres termes, bien-aimés, vous devez persévérer. Amen. Tu dois persévérer
et croire que ce problème qui est en train de persister dans ta vie finira par être enlevé. Alléluia. Tu dois savoir que le problème qui est en train de persister dans ta maison, que ce soit un problème médical, que ce soit un problème spirituel, que ce soit n'importe quel problème, finira par être enlevé. Maintenant, ce que le Seigneur te demande ce matin, c'est d'être persévérant. Alléluia. Tu dois être persévérant. Bien-aimé, tu dois savoir que seules les personnes qui sont persévérantes voient la victoire. Seules les personnes, les enfants de Dieu qui sont persévérants, alléluia, persévérants jusqu'à la fin, vivent la victoire. Parce que beaucoup de personnes abandonnent avant. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent très tôt. Ils font quelques prières, ils font quelques séances. Après, ils voient que ça ne bouge pas, ils abandonnent. J'aimerais te dire, tu as une promesse ici que le Seigneur te fait ce matin. Il te dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie finira par être déraciné. Mais toi, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. C'est très important de persévérer jusqu'à la fin. C'est la fin d'une chose qui compte. La Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Des fois, on commence très bien, mais le problème, c'est qu'on on arrête en cours de chemin, on abandonne trop tôt. Tu dois aller jusqu'à la fin. Tu dois avoir la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimé, tu peux te poser les questions. Mais pourquoi la situation ne bouge pas? Pourquoi le problème n'avance? Pourquoi le problème n'avance pas? C'est-à-dire, pourquoi je n'ai pas de solution? Pourquoi ce problème est toujours là? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Le problème est toujours en train de persister. Bien-aimé, des fois, les problèmes persistent dans nos vies parce que nous ne connaissons pas, nous ignorons la racine du problème. Ignorer la racine du problème, bien-aimé, peut faire persister ce problème. L'ignorance de la racine, l'ignorance de la source du problème. Tu te poses la question, mais pourquoi ce problème est toujours là? Cette situation ne bouge pas. La cause, bien-aimé, la cause pour laquelle certains problèmes persistent dans nos vies, premièrement, vous pouvez noter pour vous qui êtes en train d'écrire, premièrement, c'est l'ignorance de la racine du problème. Des fois, il faut que tu trouves la racine du problème. Il faut que tu touches à la source du problème. Tant que tu ignores la racine du problème, le problème risque de persister, risque d'être toujours là. Alléluia. L'ignorance de la racine du problème. Deuxièmement, ce qui fait qu'un problème puisse persister dans la vie d'une personne, alléluia, c'est l'ignorance de la solution de ce type de problème. L'ignorance de la solution de ce type de problème. Des fois, quand on ignore la solution de ce type de problème, parce que chaque problème a un certain type de solution. Quand tu ignores la solution de ce type de problème, ce problème risque encore de persister. Je répète encore, ce qui fait qu'un problème puisse persister dans la vie de quelqu'un, c'est l'ignorance de la racine du problème. Des fois, tu peux prier, mais tu n'arrives pas, tu ne touches pas encore à la source du problème. Tu n'as pas encore réglé la source du problème et la situation est toujours là. C'est pour cela que j'ai toujours dit, des fois, je prends un exemple, une femme qui a besoin d'avoir des enfants, mais tu as avorté dans ta vie, tu n'as jamais demandé pardon. L'ignorance, la source du problème est que tu ne t'es jamais repenti des avortements que tu as fait avant, de ta vie passée, tu n'as pas demandé pardon. Et ça va bloquer ta prière parce que tu dois d'abord régler, tu dois d'abord demander pardon. C'est très important. Mais quand une personne demande pardon et se dispose maintenant à recevoir la solution arrive. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et l'ignorance de la solution à ce type de problème, quand tu ignores la solution à ce type de problème, ça peut aussi persister dans ta vie. Alléluia. D'autres personnes bien-aimées, les problèmes persistent dans leur vie tout simplement parce que ils ont la paresse ou la négligence d'appliquer la solution. Des fois, tu as la solution, on te dit fais ça, mais tu as la paresse ou la négligence d'appliquer la solution. La paresse. Vous savez, quand Naaman avait la lèpre, il était malade, le prophète Élisée lui a dit d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Il devait plonger 7 fois. Et si Naaman n'avait pas accompli les 7 fois, il allait toujours être malade. S'il n'avait pas accompli les 7 plongées, imaginez un général de l'armée,
un homme qui était respecté, un homme qui était un homme fort. Mais il devait aller plonger dans le Jourdain. Et le Jourdain était sale. Le Jourdain était sale. Il devait se plonger dedans. Au début même, il ne voulait pas. Il devait se plonger 7 fois. S'il avait seulement fait 2 fois, ça n'allait pas marcher. S'il avait seulement fait 3 fois, ça n'allait pas marcher. Il devait écouter la parole de l'homme de Dieu et plonger 7 fois. Donc, des fois, un problème persiste parce qu'il y a la paresse ou la négligence d'appliquer la solution. On t'a dit d'appliquer la solution, mais tu as la paresse. Et des fois, bien aimé, un homme de Dieu te dit, fais une offrande ou fais ceci, mais tu dis, oh, je ferai après. Et ton problème est en train de persister. Je vous donne un exemple. Un jour, un homme de Dieu rencontre un monsieur qui avait le sida. Ce monsieur est venu le voir pour lui dire, homme de Dieu, j'ai vraiment, c'est un prophète, j'ai vraiment le sida et tout, vraiment ma vie est difficile. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les femmes. À cause des femmes, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Il y en a d'autres, je leur ai acheté des jeeps, j'ai donné de l'argent. Les autres femmes, j'ai acheté des parcelles. Alors l'homme de Dieu lui dit, ok, je vais prier, mais fais une offrande à Dieu. Fais une offrande à Dieu. Alors il a pris, il a dit, ok, j'arrive. Il a ouvert sa voiture, il a donné à l'homme de Dieu, je pense, peut-être 5 000 euros. L'homme de Dieu a dit, attends, quand tu étais avec tes femmes, là, tu as dépensé combien? Il a dit, j'ai peut-être dépensé peut-être 100 000, peut-être plus de 100 000 euros, peut-être 80 000. Enfin, j'exagère un peu, en tout cas, beaucoup d'argent. L'homme de Dieu lui dit, et toi, tu donnes à Dieu 5 000. Tu donnes à Dieu 5 000, c'est peu, rajoute encore, sinon je ne prie pas. Et ce monsieur commençait à voir un peu comme si l'homme de Dieu a été orgueilleux. Il dit, rajoute encore, comme c'était un prophète. Vous savez, les prophètes, des fois, on peut demander à quelqu'un de faire quelque chose que la personne ne comprend pas. Il a encore rajouté. L'homme de Dieu a dit, je ne prie pas, ce n'est pas assez. Jusqu'à ce qu'il avait donné à peu près 50 000 euros. 50 000, c'est en dollars, donc 45 000 euros à peu près. Il a dit, bon, là maintenant, je vais prier. Et là, il a prié. Quand ce monsieur est rentré chez lui, quelques temps après, il va à l'hôpital. Le sida avait complètement disparu. En fait, ce monsieur a reçu sa guérison parce qu'en fait, il a écouté ce que l'homme de Dieu a dit et il a poussé son offrande très loin. S'il avait seulement donné 5 000, exemple 5 000, et que l'homme de Dieu ne l'avait pas poussé à aller plus loin, il allait toujours être malade. L'homme de Dieu lui a fait comprendre, quand tu étais dans la vie de débauche, pour les femmes, tu as dépensé, tu as acheté des parcelles, tu as acheté des voitures, tu as dépensé plus de 100 000 dollars, 100 000 euros. Maintenant, pour donner à Dieu, tu donnes 5 000. Dis, mais, l'homme de Dieu l'a dit, mais tu te fous de qui? Comme ça, tu te fous de qui? Tu as les moyens, va chercher. Pour Dieu, tu dois te cascader pour Dieu. Et ce monsieur, quand il avait donné pour Dieu, il est parti. Sa maladie avait complètement disparu. Le sida avait quitté sa vie. Le sida avait disparu et il est en bonne santé. Ça, bien aimé, c'est quelqu'un qui a appliqué la solution. La paresse ou la négligence d'appliquer la solution. On te dit, prie 3 jours, fais un jeûne et prière de 3 jours, mais toi, tu ne jeûnes jamais. Tu dis, je jeûnerai après, je prie seulement. Le fait de ne pas appliquer la solution, le fait de ne pas appliquer ce qu'on t'a dit, risque de faire persister ton problème. Alléluia, faisons très attention. La chose qui fait aussi que les gens ne puissent pas avoir la solution, c'est la peur de payer le prix. Des fois, les gens ont peur, la peur de payer le prix pour obtenir leur bénédiction. Vous savez, nous sommes dans le mois de l'enfantement et pour que tu puisses enfanter, pour qu'une personne puisse enfanter, il faut quoi? Il faut aller pousser à la maternité, n'est-ce pas? Tu peux être enceinte, oui, tu peux être enceinte de ta bénédiction. Mais cette bénédiction aussi demande ton apport. Quel est ton apport? Tu dois pousser. Je peux être enceinte de ma bénédiction, mais cette bénédiction demande que je puisse pousser. Donc, il y a aussi ma part. Ce n'est pas le fait d'être seulement enceinte, mais le fait est que quand tu as les douleurs de l'enfantement, quand tu as les contractions, tu dois aller pousser à la maternité. Et si tu ne pousses pas, même si on te fait une césarienne, il y aura des efforts que tu vas faire pour que la plaie puisse guérir. Ça va demander toujours tes efforts. Vous voyez? Ça demande aussi nos efforts. Dieu a sa part à faire, nous aussi nous avons notre part à faire. Nous devons payer le prix. Donc il y a des personnes qui ont des difficultés, bien aimées, pourquoi avoir des solutions? Parce qu'ils ont la peur de payer le prix pour obtenir
leur bénédiction, la peur de payer le prix pour obtenir leur percée. Ils ne veulent pas venir à l'église. Quand tu ne veux pas venir à l'église, bien-aimé, tu ne veux pas venir à l'église, tu dis, ah, je prie seulement sur internet, l'église, là, c'est pas la peine. Alors que ta solution va venir quand tu vas commencer à payer le prix d'aller aussi à l'église. Le Saint-Esprit t'attend à l'église. Le Saint-Esprit attend ton engagement. Le Saint-Esprit attend ta consécration. Le Saint-Esprit, bien-aimé, quand tu commences à faire ça, alors tu vas rentrer dans ta victoire. La peur de payer le prix pour obtenir sa bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Ou encore, je veux m'arrêter là, je pense que c'est cinquième, je vais m'arrêter ici. La capacité spirituelle et financière limitée. Il y a des gens qui ont des problèmes persistants parce qu'ils ont la capacité spirituelle et capacité financière limitée pour gérer le problème. Des fois, il y a des offrandes qui vont te demander beaucoup, mais tu donnes seulement un peu et ton problème est toujours là. Il y a des offrandes qui demandent des sacrifices. Il y a des prières qui demandent des sacrifices. Capacité spirituelle, c'est-à-dire augmente encore ton niveau de prière, augmente encore ton niveau de consécration, ou encore augmente encore ton niveau d'offrande. Comme j'ai dit pour le monsieur qui avait le sida, il a donné jusqu'à presque 50 000 euros. Et quand il a donné ça, il est parti, le sida avait disparu. L'homme de Dieu l'a poussé à donner quelque chose qui lui faisait mal. L'homme de Dieu l'a poussé à faire une offrande de sacrifice qui a engagé son sang. Et il a été guéri. Amen. L'homme de Dieu lui a montré qu'il ne faut pas diminuer Dieu. Pour les femmes, tu as dépensé beaucoup. Mais maintenant pour Dieu, c'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a d'autres personnes bien aimées. C'est à cause du manque de foi. Le manque de foi. Le manque de foi en Dieu fait aussi qu'un problème puisse persister. Parce que tu regardes beaucoup à ton problème, mais tu ne vois pas la grandeur de Dieu. D'autres personnes, c'est la peur de jeûner et de prier. La peur de jeûner et de prier. Il y a des démons qui ne quittent que quand on jeûne et quand on prie. Il y a des problèmes qui ne sont décomptés que quand on jeûne et quand on prie. Mais toi, tu ne fais que prier, tu ne jeûnes pas. Alléluia. Il faut, bien aimé, jeûner, il faut aussi prier. C'est très important. Alors, je vais vous donner la solution rapidement. Alors, quelle est la solution pour sortir des problèmes persistants? Amen. La solution pour sortir des problèmes persistants. Premièrement, tu dois croire que Dieu est la solution à ce problème. Croire que Dieu est la solution à ce problème. Ce matin, le Seigneur Jésus a dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Tu dois croire que Dieu est la solution à ce problème. Écris avec moi, Dieu est la solution à mon problème. Dieu est la solution à ma situation. Dieu est la solution à ce que je vis. Dieu est la solution à ce problème. Alléluia, Dieu est la solution à ce problème. Deuxièmement, bien-aimé, tu dois chercher la cause du problème en entrant en jeûne, par les jeûnes et les prières. Tu dois demander à Dieu de te montrer la cause du problème, de te montrer la cause du problème. Alléluia, tu dois chercher à connaître la cause ou encore les causes du problème à travers la prière, à travers le jeûne. C'est très important. Tu dois prier, demander à Dieu de t'ouvrir les yeux, de te révéler qu'est-ce qui se passe, quelle est la racine de mon problème, quelle est en fait la source de ce problème. Dès que tu connais la source, alors tu trouves aussi la solution. Gloire à Dieu. Et troisièmement, tu dois chercher à savoir comment d'autres personnes ont pu gérer ce genre de problème. S'il y a des personnes qui ont eu le même problème que toi, comment ils ont fait pour trouver la solution? Ça aussi, ça peut t'aider à décompter un problème, amen, persistant. Gloire à Dieu. Et quatrièmement, bien-aimé, tu dois prier avec ferveur, tu dois prier avec ardeur, tu dois prier en associant le jeûne à ta prière. Donc, tu dois jeûner et prier. Alléluia. Cinquièmement, ce qui va te donner la solution à un problème persistant, c'est de rencontrer un serviteur de Dieu. Rencontre l'homme de Dieu pour qu'il puisse t'aider à gérer le problème. Vous savez, il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à gérer, on se bat, mais ça demande que nous puissions rencontrer l'homme de Dieu, que nous puissions rencontrer le pasteur, que nous puissions rencontrer un serviteur de Dieu qui peut nous aider pour que le problème soit décompté. C'est très important. Alléluia. Il faut, bien aimé, pour vous, exemple qui suivez la tour de prière semeur, vous avez un problème persistant, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, n'hésitez pas à venir rencontrer le serviteur de Dieu, à venir nous rencontrer à l'église. N'hésitez pas à venir, voilà, venez nous voir, c'est très important. Venez nous voir, exposez-nous votre problème et nous allons vous donner les orientations
pour que vous puissiez avoir la solution à ce problème. C'est très important. Ne gardez jamais les problèmes pour vous. Avec la petite expérience que j'ai, bien aimé, j'ai toujours remarqué que tous ceux qui ont gardé des problèmes, qui n'ont jamais dit, ont toujours fini par des dégâts. C'est ce que j'ai remarqué. Les chrétiens qui ne parlent pas à l'homme de Dieu, les chrétiens qui ne disent pas les choses qui ne vont pas dans leur vie à l'homme de Dieu, qui cachent, finissent toujours mal. La plupart du temps, ils finissent mal. C'est ce que j'ai remarqué. Vous savez, un jour, on était avec un frère à l'époque. Le frère était avec sa femme. On n'était pas dans le ministère. On était toujours ensemble. C'était comme des petits frères pour nous. Et ils ne nous disaient jamais les problèmes qu'ils n'avaient pas dans leur couple. Ils ne nous disaient jamais. Mais le jour où ils sont venus nous dire, c'était le problème avait déjà bouffé leur couple. C'était compliqué. On essayait d'arranger. Mais ça n'avait pas marché. Ils avaient fini par divorcer. Pourquoi? On leur a dit une chose. Mais on était avec vous. Tous les jours, vous étiez ensemble. Vous étiez ensemble avec nous. On mangeait ensemble. Vous veniez chez nous tout le temps. Mais comment vous n'aviez jamais dit ce problème? Oh non, mais on pensait qu'on allait s'en sortir. On voulait essayer un peu arranger ça. Bien aimé, le frère, quand il est venu, c'était déjà trop tard. La femme est partie avec un autre. La femme était partie avec une autre personne. Elle est mariée avec ce monsieur-là. Elle a eu des enfants. Voilà. Alors que si ils avaient dit leur problème avant, on allait les aider. Il faut parler. Il ne faut pas garder pour toi. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parle déjà. Parle, ne garde pas. Parce que quand tu gardes, le jour où tu vas vouloir qu'on puisse chercher des solutions, la bombe aura déjà explosé et ça sera que des morceaux qu'on va commencer à recoller et ça peut être compliqué. Alléluia. Il faut vraiment rencontrer, nous voir, nous rencontrer et nous parler de votre problème. Amen. Même si vous voyez qu'on ne répond pas. Il y a des gens qui disent, oui, mais la prophétesse ne répond pas, elle répond jamais au téléphone. La prophétesse, bien aimée, imaginez, je ne peux pas rester au téléphone toute la nuit. Amen. Ça peut sonner la nuit, ça peut sonner à n'importe quel moment. Ce n'est pas possible, mais il faut insister. Insister, c'est vous qui avez besoin d'être guéri, c'est vous qui avez besoin de solutions, alors vous devez insister. Vous devez vous battre, vous avez besoin de solutions. Vous devez vous battre, insister jusqu'à ce que vous allez me rencontrer ou rencontrer le pasteur et qu'on puisse prier pour vous, vous donner une solution. Amen, c'est très important. La dernière chose, bien aimée, qui va vous permettre aussi d'avoir la solution. La dernière chose, c'est de refuser d'abandonner. Alléluia. Refuser d'abandonner jusqu'à ce que vous voyez la solution. Refuser d'abandonner jusqu'à ce que vous voyez la solution. N'abandonne pas tant que tu n'as pas vu la solution. N'abandonne pas tant que tu n'as pas touché à la solution. N'oubliez pas, bien-aimé, nous sommes dans le mois de l'enfantement. Si tu veux enfanter, tu dois aussi pousser. Il y a ta part à faire. Alors, n'abandonne pas. Tu dois pousser jusqu'à ce que l'enfant va sortir. Tu dois pousser jusqu'à ce que tu vas toucher à ta bénédiction. Et les problèmes qui persistent dans ta vie vont quitter ta vie dans le nom de Jésus. Car la promesse que le Seigneur te fait ce matin, c'est toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Alors ce matin, je dis que toute plante que le Père n'a pas plantée, la stérilité n'a pas été plantée par le Père, alors cela sera déraciné ce matin au nom puissant de Jésus. La maladie n'a pas été plantée par Dieu, alors cela sera déraciné ce matin au nom puissant de Jésus. La tristesse n'a pas été plantée par Dieu. La tristesse que tu as dans ta vie ne vient pas de Dieu. Alors comme ça ne vient pas de Dieu, cela va être déraciné dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'humiliation que tu vis n'a pas été plantée par Dieu. Et comme ça n'a pas été planté par Dieu, cela va être déraciné dans le nom puissant de Jésus. Les choses que tu vis qui sont anormales dans ta vie n'ont pas été plantées par Dieu. Alors cela va être déraciné ce matin dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vaincre les problèmes persistants tôt le matin. C'est-à-dire, tu te tiens à la porte de l'aurore. Avant que le soleil ne se lève, bien-aimé, tu vas prier afin que tout ce qui persiste dans ta vie, tout problème qui persiste dans ta vie, que ce soit d'ordre médical, que ce soit d'ordre spirituel, que cela soit déraciné, que cela soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout problème persistant dans ta vie, que cela soit déraciné dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alors bien-aimé, tu vas prier avec moi ce matin.
Tu vas dire, Seigneur, merci pour cette journée. Alléluia. Merci pour cette journée et merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a des gens qui disent, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? J'aimerais te dire, le fait que tu parles même comme ça, c'est le souffle de vie de Dieu qui parle en toi. C'est le souffle du Tout-Puissant qui parle en toi. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu es encore en vie. Alors Dieu a fait les choses pour toi. Le fait que tu es debout, c'est la grâce de Dieu. Le fait que bien-aimé Jésus est mort pour toi, alors c'est là, c'est encore la grâce de Dieu. Dieu a fait tellement de choses pour toi. Dieu a fait tellement de choses pour toi. Alors commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour cette journée. Bien-aimé, tu peux aussi encore rentrer dans une grande connexion avec le Seigneur en disant, Seigneur, merci pour cette belle journée. Tu déclares déjà prophétiquement que ta journée, elle est belle. Merci pour cette belle journée que tu m'accordes et merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie de tout ton cœur. Connecte-toi à la prière. Prie de tout ton cœur comme si c'était la première et la dernière fois que tu pries. Prie de tout ton cœur comme si c'est la première fois que tu découvres la prière. Prie de tout ton cœur. Il faut que cette passion vienne de l'intérieur de toi. Il faut que cette envie vienne de l'intérieur de toi. Il faut que les paroles que tu es en train de dire ce matin viennent de l'intérieur de toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le réseau est dégagé. Ce matin, le réseau est dégagé. Pour nous qui sommes encore à 5 heures du matin, le réseau est dégagé. Pourquoi ? Parce que les gens sont en train de dormir. Remarquez que c'est pendant la nuit que le réseau est le mieux dans ton téléphone. Pourquoi? Parce que la plupart de personnes dorment et donc c'est pas saturé. De la même manière, j'aimerais te dire, oui, spirituellement, le réseau est dégagé. C'est pour cela que ceux qui prient très tôt le matin ont beaucoup de victoires parce que beaucoup de personnes dorment. Amen. Beaucoup de personnes dorment, mais toi, tu es en train de prier ce matin. Ta voix est en train de monter dans les cieux. En ce moment où tu es en train de prier, il y a des anges dans ta maison qui sont venus parce que les anges de Dieu se connectent toujours là où il y a la prière. Ils viennent. Alors, bien-aimé, profite, prie ton Dieu. Dis-lui merci ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette belle journée que tu nous accordes encore ce matin. Merci pour cette journée de victoire. Merci pour cette journée de grâce que tu nous accordes encore ce matin. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma maison. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie ce matin. Je veux te bénir, je veux te louer, je veux te magnifier, je veux t'exalter. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence ce matin. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es mon roi. Merci pour tes bienfaits à mon égard. Merci pour tes bienfaits à l'égard de ma famille. Merci pour tes bienfaits à l'égard de mes enfants. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis ce matin. Je te magnifie ce matin. Je t'exalte ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mon Père, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que tu es mort à la croix afin que je puisse avoir la vie. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, de t'avoir dépouillé, d'être venu sur la terre afin que moi je sois sauvé. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, d'avoir tout accompli pour moi à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, de m'avoir donné le salut. Je suis appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir justifié. Je suis aujourd'hui justice de Dieu. Je te dis merci, Seigneur Jésus, de m'avoir pardonné mes péchés. Alors reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, tu vas encore adorer le Seigneur ce matin. Tu vas dire, oh Seigneur Jésus, je t'adore ce matin. Seigneur Jésus-Christ, je t'adore ce matin. Je t'adore parce que tu sais toutes choses. Alléluia. Je t'adore parce que tu sais toutes choses et tu connais les causes profondes des problèmes des hommes. Tu connais les causes profondes de mon problème. Tu connais les causes de mon problème. Reconnais le Seigneur Jésus comme celui qui connaît les causes de ton problème. Adore-le ce matin. Seigneur, je t'adore ce matin. Je t'adore ce matin. Parce que tu sais tout.
Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu sais tout. Tu sais tout et tu connais les causes de tous les problèmes des hommes. Tu connais les causes de mon problème. Tu connais les causes de tous les problèmes, Seigneur, de l'humanité. Tu connais les causes de tous les problèmes des humains. Tu connais les causes. Rien n'est caché devant toi. Alors je t'adore. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le Seigneur Jésus parce qu'il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Il connaît les causes de ton problème. Il connaît les causes de tous les problèmes des humains. Il connaît les causes parce qu'il est Dieu. Il connaît les causes. Rien n'est caché devant sa face. Rien n'est caché devant sa face. Il est celui qui connaît toutes choses. Alors commence à l'adorer. Commence à l'adorer parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Commence à l'adorer parce que rien n'est caché devant lui. Commence à l'adorer parce qu'il est le Dieu des dieux. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il est le premier et le dernier. Commence à l'adorer. Oui, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Bien-aimé, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. L'adoration, c'est dire ce que le Seigneur est. Le Seigneur est celui qui connaît toutes choses. Et rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Rien ne l'étonne. Alléluia. Rien n'est étonnant devant lui. Commence à, l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Car l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est dire ce que Dieu fait. Commence à l'adorer au nom de Jésus. Oui, je t'adore, Seigneur, ce matin. Je t'adore ce matin, je t'adore ce matin, je t'adore ce matin, je t'adore Seigneur parce que tu connais toutes choses, je t'adore parce que tu sais toutes choses, je t'adore parce que rien n'est caché devant toi, je t'adore ce matin parce que tu connais les causes de mon problème, tu connais les causes profondes de mon problème, tu connais la source et la racine de mon problème, tu connais tout ce que moi j'ignore Seigneur, tu connais tout ce que les hommes ignorent, tu connais tous les problèmes des hommes, tu connais tous les problèmes des humains, tu connais la cause Seigneur des problèmes de chaque personne parce que tu es Dieu et que rien n'est caché devant toi. C'est pour ça que je veux t'adorer ce matin. Je veux t'adorer ce matin comme le Dieu qui connaît toutes choses. Je veux t'adorer ce matin comme le Dieu devant qui rien n'est caché. Je veux t'adorer ce matin comme le Dieu qui n'est surpris par rien. Je veux t'adorer ce matin comme le Dieu qui connaît une chose avant même qu'elle ne commence. Oui, Seigneur, je veux t'adorer ce matin car tu es le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même qu'elle ne commence. Oh, je te bénis, je te magnifie, je t'exalte ce matin. Merci Seigneur, parce que tu connais ma lignée, tu connais ma famille, tu connais d'où a commencé ma famille. Tu connais toutes choses, rien n'est caché devant toi. Tout ce que j'ignore, Seigneur, est lumière devant toi. Tout ce qui est ténèbre pour moi est lumière devant toi. Alors je te bénis, je te magnifie, je t'exalte parce que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Je t'adore ce matin, je t'adore ce matin, je t'adore ce matin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Alors que nous étions en train de dormir, peut-être que l'ennemi est venu planter des mauvaises plantes. Alors nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus. Ce matin, bien-aimé, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus donne la victoire. C'est pour cela que ce matin, tu vas dire, alléluia, ce matin, je bois le sang de Jésus. Tu vas boire le sang de Jésus ce matin. Amen. Ce matin, je bois le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et je fais boire le sang de Jésus-Christ à mes enfants. Si tu as des enfants, fais boire aussi le sang de Jésus-Christ à tes enfants afin de détruire toute semence des ténèbres. Alléluia. Afin de détruire toute semence de ténèbres au nom puissant de Jésus. Peut-être que quand tu es en train de dormir, on a injecté des semences de ténèbres dans ta vie. Peut-être que quand tu es en train de dormir, on a planté des semences de ténèbres. Le Seigneur a dit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Alors dis ce matin, je bois le sang de Jésus-Christ et je fais boire aussi le sang de Jésus-Christ à mes enfants afin de déraciner toute semence de ténèbres que le Père n'a pas planté dans ma maison, afin de déraciner toute semence des ténèbres que le Père n'a pas planté dans ma maison, toute semence des ténèbres qui a pu être plantée dans mon rêve quand j'étais en train de dormir ou dans le rêve de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, alors que tu te tiens à la porte de l'aurore, déclare que tu bois le sang de Jésus. Ce matin, tu bois le sang de Jésus ce matin au nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ce matin, je déclare que je bois le sang de Jésus-Christ. Ce matin, je bois le sang de Jésus-Christ afin de déraciner,
afin de détruire toute semence des ténèbres qui aurait pu être plantée dans mon rêve, afin de détruire toute semence des ténèbres qui a pu être plantée dans ma maison au nom puissant de Jésus. Je bois le sang de Jésus-Christ afin de détruire toute semence des ténèbres qui a pu être plantée dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus, qui a pu être plantée dans ma nuit, dans le nom puissant de Jésus. Et je fais boire aussi ce matin le sang de Jésus-Christ à mes enfants. Je fais boire ce matin le sang de Jésus-Christ à mon époux. Je fais boire ce matin le sang de Jésus-Christ à tout celui qui est dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus, afin de détruire les semences des ténèbres, afin de détruire tout ce que le Père n'a pas planté, afin de détruire toute semence spirituelle qui a pu être plantée dans le sommeil, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, bois le sang de Jésus par la foi ce matin. Ce matin, je bois le sang de Jésus-Christ. Ce matin, je fais boire le sang de Jésus-Christ à mes enfants. Au nom puissant de Jésus, afin de détruire, afin d'anéantir, afin de décimer, afin de foudroyer toute semence de ténèbres qui a pu être plantée dans leur vie, dans le nom de Jésus. Afin de détruire toute semence de ténèbres qui a pu être plantée dans ma vie, dans le nom de Jésus. Bois le sang de Jésus ce matin. Bois le sang de Jésus ce matin. Peut-être que tu as fait un mauvais rêve quand tu étais en train de dormir. Bois le sang de Jésus-Christ ce matin. Fais boire aussi à tes enfants le sang de Jésus-Christ ce matin. Par la foi, tu ne sais pas quel rêve ils ont fait. Tu ne sais pas comment ils ont passé la nuit. Tu sais seulement qu'ils dorment à côté. Ils dorment peut-être, tu es peut-être loin et tes enfants sont ailleurs. Bien-aimé, fais-leur boire le sang de Jésus par la foi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas encore invoquer le Saint-Esprit. Tu vas dire, très cher Saint-Esprit, révèle-moi ce matin, très cher Saint-Esprit, révèle-moi ce matin le secret qui se cache, alléluia, le secret qui se cache derrière le problème que je vis au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, révèle-moi le secret qui se cache derrière ce problème que je vis. Révèle-moi en ce jour, révèle-moi en cette matinée, révèle-moi aujourd'hui le secret qui se cache dans ce problème, derrière ce problème que je vis au nom puissant de Jésus. Oh, très cher Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de révélation, tu peux encore dire, toi qui es l'esprit de révélation, révèle-moi le secret qui se cache derrière ce problème dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as un problème qui est en train de persister. Peut-être que tu as un problème qui résiste depuis des années, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit, il est l'esprit de révélation, de te révéler le secret qui se cache derrière ce problème dans le nom de Jésus. Commence à prier avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, commence à prier avec moi, ô très cher Saint-Esprit, ce matin, alors que je me tiens à la porte de l'aurore, je te prie ce matin, révèle-moi le problème qui se cache, alléluia, révèle-moi le problème qui se cache, le secret qui se cache derrière ce problème au nom de Jésus, révèle-moi le secret qui se cache derrière cette situation au nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de sagesse, toi qui es l'esprit de révélation, toi qui es l'esprit devant qui rien n'est caché, toi qui es l'esprit de lumière qui perce tous les mystères, toi qui es l'esprit de lumière qui perce tous les ténèbres, révèle-moi le secret qui se cache derrière ce problème dans le nom de Jésus. Révèle-moi ce qui se cache derrière ce problème au nom puissant de Jésus. Révèle-moi le secret qui se cache derrière cette situation. Révèle-moi le secret qui se cache derrière ce problème dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, prie devant cette situation persistante, devant ce problème persistant. Demande au Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation. Si tu as un problème dans ta vie qui est persistant, demande au Saint-Esprit de te révéler la source de ce problème, de te révéler le secret qui se cache derrière ce problème. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, appelle encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait exactement ce que tu dois faire pour traiter le problème. Quand Naaman avait la lèpre, Naaman ne savait pas que le secret de sa guérison se cachait dans le fait de plonger 7 fois. Dans le Jourdain, il ne savait pas. C'est pour cela, bien-aimé, le Saint-Esprit sait exactement
Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton problème puisse être réglé? Alors tu vas dire avec moi, « Oh, très cher Saint-Esprit, montre-moi comment traiter ce problème au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, montre-moi comment traiter cette situation au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, montre-moi comment sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. » Bien-aimé, le Saint-Esprit a la solution. Il est l'esprit de vérité, il est l'esprit de grâce, il est l'esprit de faveur, il est l'esprit de délivrance, il est l'esprit de solution, il est l'esprit de guérison, il est l'esprit de miracle, il est l'esprit de force, il est l'esprit de capacité. Demande au Saint-Esprit ce matin de te révéler cela dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, montre-moi ce matin comment traiter ce problème au nom puissant de Jésus. Montre-moi ce matin ce que je dois faire afin que ce problème soit réglé, afin que ce problème soit traité, afin que ce problème puisse finir dans le nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, toi qui connais toutes choses, montre-moi, montre-moi, montre-moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, montre-moi comment traiter ce problème dans le nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, montre-moi comment régler ce problème. Alléluia, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te montre comment régler ce problème dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes qui abandonnent parce que le problème est en train de persister. Il y a des gens qui ne prient plus parce que le problème a persisté. Il y a des gens qui ont abandonné la prière, qui ont abandonné l'église, qui sont retournés dans le monde, qui sont partis chercher des solutions ailleurs parce que le problème a persisté. Bien-aimé, demande au Seigneur. Dis, oh Seigneur Jésus-Christ, fortifie mon cœur afin que je ne cède pas à cette situation au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je t'en supplie, fortifie mon cœur afin que je ne cède pas, afin que je ne cède pas à cette situation au nom puissant de Jésus. Je dis à quelqu'un ici, ne cède pas, ne cède pas. Demande au Seigneur de fortifier ton cœur. Demande au Seigneur de te donner un cœur solide. Demande au Seigneur de te donner un cœur dur afin que tu ne puisses pas céder, afin que tu ne puisses pas tomber, afin que tu ne puisses pas abandonner, afin que tu puisses tenir ferme au nom puissant de Jésus. Même si le problème persiste, toi aussi tu dois persister en force, tu dois persister en prière, tu dois persister en jeûne, tu dois persister en consécration, tu dois persister en louange, tu dois persister en adoration, tu dois persister dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, oh Seigneur, fortifie mon cœur ce matin, fortifie mon cœur ce matin. Je reconnais Seigneur que ce problème essaie de me faire tomber, je reconnais Seigneur que ce problème commence à me fragiliser. Je te prie Seigneur ce matin, fortifie mon cœur afin que je ne cède pas à cette situation au nom puissant de Jésus. Fortifie mon cœur, fortifie ma foi, fortifie ma vie de prière, fortifie Seigneur ma consécration, afin que je ne cède pas au nom puissant de Jésus, que je ne tombe pas, que je ne cède pas, que je n'abandonne pas. Fortifie mon cœur ce matin, fortifie mon cœur ce matin, fortifie ma foi ce matin, fortifie-moi ce matin, afin que je ne cède pas, afin que je ne cède pas, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie mon cœur ce matin, fortifie mon cœur ce matin, fortifie ma foi ce matin, fortifie Seigneur, ô Dieu de gloire, fortifie-moi ce matin afin que je ne cède pas au nom puissant de Jésus, 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 alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander à ton Père ce matin, tu vas dire à ton Père ce matin, mon Père, que je te connaisse encore davantage au travers de cette situation. Bien-aimé, au travers de la situation que tu es en train de traverser, au travers de la situation qui est en train de persister dans ta vie, demande au Père que tu puisses le connaître. Alléluia. Oui, que cette situation puisse te permettre de connaître Dieu de plus en plus. Que cette situation puisse te permettre de connaître Dieu de plus en plus. Alléluia. Mon Père céleste, permet que je te connaisse davantage au travers de cette situation, ou encore à travers cette situation, au nom de Jésus, à travers ce problème, que je puisse te connaître de plus en plus, que je puisse connaître qui tu es, que je puisse te servir de plus en plus, que je puisse t'aimer de plus en plus, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, demande au Père. Mon Père, je te prie ce matin, mon Père qui est dans les cieux, je te prie ce matin,
que je te connaisse davantage à travers cette situation, qu'à travers ce problème, qu'à travers cette situation, qu'à travers cette douleur, qu'à travers, Seigneur, oh Dieu, cette humiliation, qu'à travers, Seigneur, oh Dieu de gloire, qu'au travers de ce problème, je puisse te connaître encore plus. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse te connaître encore plus, que je puisse te voir. Au travers de ce problème, Seigneur, ouvre mes oreilles, que je puisse entendre ta voix. Au travers de ce problème, Seigneur, oh Dieu, donne-moi une vitesse à mes pieds afin que je puisse courir et atteindre ma bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Au travers de ce problème, Seigneur, permets que je puisse te connaître, que je puisse te connaître mieux, que je puisse te connaître mieux dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, que je puisse te connaître mieux dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de l'aurore, alors que je me tiens à la porte de l'aurore, je commande à l'ennemi qui se cache derrière ce problème d'être désarmé maintenant au nom de Jésus. Je commande à l'ennemi, je commande à l'esprit qui se cache derrière cette situation, derrière ce problème persistant, d'être désarmé, d'être foudroyé, d'être détruit ce matin au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Alors que je me tiens à la porte de l'aurore, au nom puissant de Jésus, alors que le soleil ne s'est pas encore levé, dans le nom de Jésus, je commande à l'ennemi, je commande à tout esprit qui se cache derrière ce problème, d'être maintenant désarmé au nom de Jésus, d'être foudroyé par le feu au nom de Jésus, d'être anéanti au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à désarmer cet esprit, commence à désarmer cet ennemi, que ses armes puissent tomber, que ses armes puissent tomber dans le nom de Jésus, que tout ce qui nourrit tes problèmes, que tout ce qui envenime tes problèmes, que tout ce qui grossit tes problèmes, oui, que tout esprit qui est derrière, bien-aimé, ta situation soit désarmé ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande à l'ennemi qui se cache derrière mon problème, qui se cache derrière ma situation, qui se cache derrière ce problème, qui se cache derrière cette douleur, oh, d'être désarmé maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit qui se cache derrière ce problème. Je commande à tout esprit qui vient grossir ce problème. Je demande à tout esprit qui vient, je commande à tout esprit qui vient envenimer ce problème d'être désarmé au nom de Jésus, d'être foudroyé au nom de Jésus, d'être détruit par le feu au nom de Jésus, d'être anéanti au nom de Jésus, dans le 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 nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tout esprit qui est derrière ton problème, que tout esprit qui est à la base de ton problème, soit déraciné ce matin, soit anéanti ce matin. Le problème persistant a pour cause un esprit qui est derrière, qui te bloque, un esprit qui est derrière, qui est en train de t'empêcher d'avancer, qui est en train de t'empêcher de percer, oh, que sa main soit coupée ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je commande à l'ennemi qui se cache derrière ce problème, d'être anéanti, d'être foudroyé dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, le Seigneur Jésus a dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Alors tu vas prier avec moi et tu vas dire, au nom puissant de Jésus, oh, ce matin, que la hache du jugement divin, que la hache du jugement divin, c'est-à-dire la hache du jugement de Dieu, abatte maintenant tout arbre maléfique lié à ce problème au nom de Jésus. Que la hache du jugement divin abatte maintenant tout arbre maléfique lié à ce problème dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la hache du jugement divin, que la hache de mon Dieu, que la hache de notre Dieu abatte maintenant, détruise maintenant tout arbre maléfique qui est lié à ce problème dans le nom de Jésus. Bien-aimé, s'il y a un arbre maléfique qui retient, qui est lié à ce problème, c'est-à-dire qui fait que le problème persiste, un arbre qui a été planté quelque part dans un village, que la hache de Dieu ce matin abatte cela au nom de Jésus. Que la hache de Dieu ce matin abatte cela au nom de Jésus. Que la hache de Dieu puisse abattre ce matin tout arbre maléfique qui est lié à ce problème. Tout arbre maléfique qui est lié à cette situation. Tout arbre maléfique qui est lié à cette maladie. Que la hache de Dieu, que la hache divine puisse abattre cet arbre ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que la hache
l'arche de Dieu puisse abattre cela ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la hache de Dieu, que la hache du jugement de Dieu, que la hache du jugement de Dieu abatte ce matin tout arbre maléfique lié à ce problème. Bien aimé, déclarer le jugement ce matin, que la hache du jugement de Dieu puisse abattre cet arbre qui veut t'enraciner dans les problèmes, cet arbre qui veut t'enraciner dans l'humiliation, cet arbre qui veut t'enraciner dans la maladie, cet arbre qui veut t'enraciner dans les pleurs, que la hache du jugement de Dieu ce matin s'abatte sur elle et détruit cet arbre au nom de Jésus, s'abatte sur lui et détruit cet arbre au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien aimé, la hache du jugement de Dieu, quand la hache du jugement de Dieu descend, bien aimé, aucun arbre maléfique ne peut résister. La hache de Dieu coupe, détruit, coupe tout arbre maléfique qui persiste, qui est lié à ton problème. Coupe tout fil maléfique qui est lié à ton problème dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que la hache du jugement de Dieu descende ce matin. Que la hache du jugement de Dieu descende ce matin afin de détruire tout arbre que le Père n'a pas planté. Afin de détruire tout arbre maléfique qui est lié à ton problème dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas faire une prière très intelligente. Amen. Une prière sage. Une prière intelligente. Alors, tu vas dire avec moi ce matin. Ô Seigneur Jésus, si la situation, alléluia, plutôt, si la solution à mon problème est avec un homme, c'est-à-dire si c'est un homme qui doit te ramener la solution. Si la solution à mon problème est avec un homme, envoie cet homme vers moi. Amen. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Et la foi, bien-aimé. Si la solution à mon problème est avec un homme, envoie cet homme vers moi aujourd'hui au nom de Jésus. Si c'est avec un ange, libère cet ange maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a des solutions que tu reçois parce que Dieu libère un homme vers toi. Envoie quelqu'un, une aide vers toi. Il y a des solutions que tu reçois parce que Dieu libère un ange. Amen. Ça peut être un ange, ça peut être un homme. Alors demande au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur, si la solution à mon problème est avec un homme, envoie cet homme vers moi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Envoie cet homme vers moi aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Quand je parle d'homme, ça peut aussi être une femme, bien-aimée. Donc, une personne humaine. Si la solution à mon problème est avec un ange, alors libère cet ange maintenant. Libère cet ange maintenant, au nom puissant de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, ce matin, je viens encore devant le trône de ta grâce. Si la solution à mon problème, Seigneur, est avec un homme, Seigneur, envoie cet homme aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Envoie cet homme vers moi aujourd'hui. Envoie cet homme à me localiser aujourd'hui. Envoie cet homme à me voir aujourd'hui. Si la solution à mon problème est qu'un homme va m'ouvrir une porte, envoie cet homme, Seigneur, afin qu'il puisse m'ouvrir la porte, au nom puissant de Jésus. Si la solution à mon problème, Seigneur, est avec un ange, libère cet ange maintenant, afin qu'il vienne à mon secours. Libère cet ange maintenant, afin qu'il puisse ouvrir la porte que je ne peux pas ouvrir. Libère cet ange maintenant, afin qu'il puisse apporter la solution à mon problème. Libère cet ange maintenant, afin qu'il puisse ramener la solution dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, déclare ce matin, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que je reçois la liberté totale de ce problème au nom de Jésus. Je déclare ce matin que je reçois la liberté totale de ce problème au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer, au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, je déclare ce matin, je déclare en ce jour que je reçois la liberté totale, je reçois la délivrance, je reçois la liberté totale à ce problème au nom puissant de Jésus. Je reçois la liberté totale maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je reçois la liberté totale. Oui, déclare que tu reçois la liberté totale. Déclare que tu reçois la liberté totale, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que je reçois la liberté totale maintenant de ce problème au nom de Jésus. Je reçois la liberté totale de ce problème. Mes enfants sont libérés au nom de Jésus. Ma famille est libérée au nom de Jésus. Ma maison est libérée ce matin au nom puissant de Jésus. Je reçois la liberté totale au nom puissant de Jésus. Reçois la liberté totale. Reçois la liberté totale dans le nom puissant de Jésus. Reçois la liberté totale. Déclare que tu la reçois au nom de Jésus. Alléluia.
Je reçois la liberté totale. Au nom puissant de Jésus. 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 Je reçois la liberté totale de ce problème. Déclare que tu reçois la liberté totale de ce problème dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Et pour terminer, tu vas dire, « Oh Seigneur, je te bénis, car ce problème va glorifier ton nom. » Alléluia. « Je te bénis, Seigneur, car ce problème va glorifier ton nom. » Au nom de Jésus. Ce problème va glorifier ton nom. Oui, ce problème est à la gloire de Dieu. Ce problème va glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus. Je ne serai pas confus. Je ne serai pas dans la honte. Ce problème va glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus. Alors nous passons, bien aimé, à la prière de traitement. Écrivez avec moi prière de traitement et nous allons terminer. Gloire à Dieu. Prière de traitement. La prière de traitement, c'est la prière que nous faisons pour notre journée. Nous prions spécifiquement pour notre journée. Amen. Nous prions pour notre journée. Gloire à Dieu. Prière de traitement. Prière de traitement. Nous passons à la prière de traitement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Prière de traitement. Prière de traitement. Prière de traitement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, oui, bien aimé, vous avez raison de donner votre offrande ce matin, c'est très important. Pour ceux qui le peuvent, si vous le pouvez vraiment, faites-le, c'est une bonne chose. Et je pense que votre offrande va vraiment parler devant Dieu. Gloire à Dieu. Alors tu vas prier avec moi ce matin et tu vas dire, Seigneur, merci pour cette belle journée que tu m'accordes. Amen. Tu vas encore le dire avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup de force. Seigneur, merci pour cette belle journée que tu m'accordes. Merci pour cette belle journée que tu m'accordes. Reçois la gloire, reçois la louange. Que cette journée soit à ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée que tu m'accordes aujourd'hui. Que cette journée soit à ta gloire au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit à ta gloire. Qu'en cette journée, Seigneur, je puisse te célébrer. Qu'en cette journée, Seigneur, je puisse voir ta gloire dans le nom de Jésus. Prie avec tes paroles. Oui, bénis le Seigneur pour cette nouvelle journée et dis au Seigneur que cette journée soit à sa gloire. Que cette journée soit pour lui dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je te consacre cette journée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette journée que tu m'accordes et que cette journée soit pour ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors tu vas encore prier avec moi ce matin. Alléluia. Et tu vas dire avec moi ce matin, ô Seigneur Jésus, en cette journée, purifie l'air que je vais respirer, purifie l'eau que je vais boire, purifie la nourriture que je vais manger au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, en cette journée, purifie l'air que je vais respirer, que l'air que tu vas respirer soit purifié. Même si on te dit que quelqu'un a le COVID à côté de toi, tu ne seras pas atteint parce que ton air sera déjà purifié. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, purifie l'air que je vais respirer en ce jour, l'eau que je vais boire, la nourriture que je vais manger en cette journée, au nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Que le sang de Jésus puisse purifier. Alléluia. Seigneur, que ton sang puisse purifier l'air que je vais respirer, la nourriture, que l'eau que je vais boire, la nourriture que je vais manger en cette journée, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit purifié ce matin. Que cela soit purifié ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus purifie l'air que tu vas respirer, l'eau que tu vas boire aujourd'hui et la nourriture que tu vas manger en cette journée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus purifie cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes lundi et le lundi, c'est l'ouverture de la porte de la semaine. Amen. Lundi, le jour du lundi, c'est l'ouverture de la porte de la semaine. Plutôt, c'est la porte d'ouverture de la semaine. Voilà. C'est la porte d'ouverture de la semaine. Alors, tu vas prier et tu vas dire avec moi, ô Seigneur Jésus, que ton sang précieux
purifie la porte de cette semaine dans ma vie. Que ton sang précieux purifie la porte de cette semaine, purifie la porte de cette journée au nom puissant de Jésus. Oui, c'est la porte de la semaine, c'est aussi la porte de la journée là où tu es en train de prier en ce moment. Alors demande au sang de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, que ton sang précieux ce matin purifie la porte de cette semaine et purifie aussi la porte de cette journée au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus puisse purifier la porte de cette semaine. Que le sang de Jésus puisse purifier la porte de ta journée dans le nom puissant de Jésus. Quand la porte de ta journée est purifiée, bien-aimé, tu as la victoire dans ta journée. Au nom puissant de Jésus. 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 Déclare avec moi, au nom de Jésus, que ton sang, Seigneur Jésus, purifie la porte de cette semaine. Que ton sang, Seigneur Jésus, purifie la porte de ma journée, de cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Que la porte de cette journée soit purifiée par ton sang, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore prier avec moi, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de tristesse, que tout esprit de tristesse, d'échec, de douleur, envoyé contre moi et ma maison en cette journée, soit détruit au nom de Jésus. Que tout esprit de tristesse, d'échec, d'accident, de maladie, tu vas compléter toi-même, envoyé contre moi et ma maison en cette journée, soit détruit au nom puissant de Jésus. Commence à détruire tout mauvais esprit qui pourrait être envoyé contre toi en cette journée, que cela soit détruit ce matin au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de tristesse, d'échec, de mauvaises nouvelles, de douleur, de maladie, d'accident qui pourrait être envoyé contre moi et ma maison en cette journée soit détruit, soit foudroyé, soit anéanti au nom puissant de Jésus. Que cela soit englouti ce matin. Que cela soit englouti ce matin au nom puissant de Jésus. Si on a fait, on a préparé des mauvaises choses contre toi en cette journée, je déclare ce matin que cela est englouti, cela est anéanti au nom puissant de Jésus. Si on avait préparé des mauvaises choses contre toi en cette journée, cela est englouti ce matin, cela est foudroyé ce matin au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et tu vas prier. Nous sommes toujours en train de prier pour notre journée. Tu vas dire ce matin, alléluia, j'applique le sang de Jésus sur les chemins, les routes. Tout ce que je vais faire en cette journée, dans le nom de Jésus. Le travail, quand tu vas aller au travail, j'applique le sang de Jésus à mon travail maintenant, au nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur le chemin de l'école de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur mon chemin, sur mes routes, sur tout ce que je veux faire aujourd'hui, afin de détruire tout piège de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Afin de détruire tout piège de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, détruis tout piège de l'ennemi dans ta journée dans le nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur les chemins que je vais prendre, sur les routes que je vais emprunter, dans mon travail, à l'école de mes enfants, dans les rencontres que je vais faire dans cette journée, afin de détruire tout piège de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que cela soit détruit. Au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus, applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus, applique le sang de Jésus, applique le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur les chemins, sur les routes que je vais emprunter aujourd'hui. J'applique le sang de Jésus à mon poste de travail au nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus ce matin sur mon poste de travail dans le nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus ce matin dans toutes les démarches que j'aurai à faire en cette journée. J'applique le sang de Jésus ce matin sur le chemin de l'école de mes enfants. J'applique le sang de Jésus ce matin sur la classe dans la classe d'école de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. J'applique le sang de Jésus ce matin sur tout ce que je vais faire dans ma journée, dans le nom de Jésus, afin de détruire tout piège de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus, afin de détruire tout piège de l'ennemi, au nom de Jésus. Oui, applique le sang de Jésus. Quand tu es en train d'appliquer le sang de Jésus détruit tous les pièges de l'ennemi contre toi. Le sang de Jésus détruit tous les pièges de l'ennemi contre ta famille. Le sang de Jésus détruit tous les pièges de l'ennemi contre ta maison, dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Et tu vas dire ce matin que toute loi et toute ordonnance des ténèbres publiée pour tourmenter ma journée soit foudroyée par le feu au nom de Jésus. Que toute loi et toute ordonnance des ténèbres publiée pour tourmenter ma journée meure dans le nom de Jésus. Commence à détruire cela
Au nom puissant de Jésus, que toute loi et toute ordonnance des ténèbres publiée pour tourmenter ma journée soit foudroyée par le feu, que cela meure maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que toute ordonnance bien-aimée, que toute loi des ténèbres qui a été publiée pour tourmenter ta journée, tourmenter la journée de tes enfants, soit foudroyée par le feu, soit anéantie par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit anéanti par le feu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute ordonnance des ténèbres, toute loi des ténèbres qui a été publiée pour tourmenter ma journée meure ce matin. Meure ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute loi et toute ordonnance des ténèbres publié pour tourmenter ma journée, soit foudroyé. Que toute loi et toute ordonnance des ténèbres, publiée pour tourmenter la journée de mes enfants, soit foudroyée par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que cela puisse mourir au nom de Jésus. Bien-aimés, commencez déjà à aimer la vidéo. Avant de partir, nous arrivons à la fin. Alléluia, nous arrivons à la fin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors tu vas prier encore et tu vas dire Alléluia, au nom puissant de Jésus, ce matin, je consacre chaque minute, chaque heure, chaque seconde de cette journée. Alléluia. Ce matin, je viens consacrer chaque minute, chaque heure, chaque seconde de cette journée au Seigneur. Et tu vas dire avec moi, et je place un ange de Dieu. Je place un ange de Dieu derrière chaque événement de ma journée, au nom puissant de Jésus. Commence à placer. Je place un ange de Dieu derrière chaque événement de ma journée, dans le nom de Jésus. Ce matin, au nom puissant de Jésus, je viens consacrer chaque minute, chaque heure, chaque seconde de ma journée, au nom de Jésus. Et je place un ange de Dieu derrière chaque événement de ma journée, dans le nom de Jésus. Que un ange de Dieu bien-aimé soit placé derrière chaque événement que tu vas vivre en cette journée. Que qu'un ange de Dieu soit placé. Je déclare qu'un ange de Dieu soit placé derrière chaque événement, derrière chaque rencontre, derrière tout ce qui va se passer dans ta journée aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Selon ce qui est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur les bras, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oui, que chaque événement de ta journée aujourd'hui, que chaque rencontre que tu vas faire aujourd'hui soit contrôlé, soit contrôlé par un ange au nom puissant de Jésus. Oui, je place un ange derrière chaque événement de ta journée au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et pour terminer, très cher Saint-Esprit, fais réussir tout ce que je veux faire dans ma journée au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, fais réussir tout ce que je veux faire en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Fais réussir tout ce que je vais faire en cette journée. Que tout soit dans la volonté de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Seigneur, que je n'y aille pas, que je ne mette même pas mon pied. Oui, Saint-Esprit, fais réussir tout ce que je vais entreprendre en cette journée, dans le nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de faire réussir ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Oui, qu'à ton travail, tu sois le meilleur, au nom de Jésus. Que dans tout ce que tu vas faire, tu sois performant, au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de Dieu puisse t'accompagner en cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Qu'il puisse faire réussir toute activité que tu vas entreprendre en cette journée, dans le nom puissant de Jésus. 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 Que le Saint-Esprit t'ouvre en ce jour la porte des meilleures relations. Très cher Saint-Esprit, ouvre pour moi en cette journée la porte des meilleures relations. Ouvre pour moi en cette journée la porte des bénédictions. Ouvre pour moi en cette journée la porte financière. Au nom puissant de Jésus, que tu puisses avoir de l'argent. Tu as besoin d'argent. Que la porte des finances s'ouvre pour toi en cette journée dans le nom de Jésus. Oh, très cher Saint-Esprit, ouvre pour moi en cette journée la porte des solutions. Tu as besoin de solutions. Que la porte des solutions soit ouverte pour toi en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Tu as besoin de solutions. Que la porte des solutions s'ouvre pour toi en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Oui, je déclare que la porte des solutions puisse s'ouvrir pour toi en cette journée dans le nom de Jésus. Oui, Dieu Saint-Esprit, de t'ouvrir la porte des solutions en cette journée dans le nom de Jésus. Qu'il puisse ouvrir pour toi la porte de la bénédiction dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et tu vas encore dire, très cher Saint-Esprit,
en cette journée, fais-moi exister dans le territoire des solutions. Fais-moi asseoir dans le territoire des solutions. Fais-moi marcher dans le territoire des solutions. Fais-moi marcher, positionne-moi cette journée dans le territoire des solutions. Et je déclare que les solutions vont suivre ta journée dans le nom de Jésus. La solution va t'accompagner dans ta journée. Les miracles vont t'accompagner dans ta journée, dans le nom puissant de Jésus. La guérison va t'accompagner dans ta journée, au nom puissant de Jésus, 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 qu'il te donne le meilleur des meilleurs, que le Saint-Esprit te donne le meilleur des meilleurs, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et qu'il puisse te revêtir ce matin, en cette journée, du manteau de la sanctification, de la consécration, que ton cœur soit gardé fidèle, que ton cœur soit gardé dans la foi, que ton cœur soit gardé dans la consécration à notre Dieu, que ton cœur soit gardé, bien-aimé, dans la pureté, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ouvre pour vous ce matin la porte de la grâce dans le nom de Jésus. Que cette porte s'ouvre pour toi ce matin. La porte des belles rencontres, que tu rencontres des belles personnes qui vont être des personnes qui vont t'aider dans ta destinée, des aides bien-aimées de ta destinée, des personnes qui vont t'ouvrir, bien-aimées, des portes qui étaient fermées, dans le nom de Jésus. Oui, je prie pour toi ce matin, qu'en cette journée, tu puisses vivre des choses que tu n'as jamais vécues, des miracles extraordinaires, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et que la grâce de Dieu soit ton partage, que la faveur de Dieu soit ton partage, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Aimez la vidéo, Amen. Cliquez juste j'aime la vidéo. Et si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications afin de ne pas rater les prochains programmes de la tour de prière semeur. Et s'il vous plaît, aimez la vidéo. Appuyez juste le pouce qui est en haut, s'il vous plaît, pour permettre à une autre personne aussi de voir cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, aimons la vidéo. Ne partons vraiment pas sans aimer la vidéo. Il est important d'aimer la vidéo. Voilà, vous pouvez nous joindre, venir à l'église au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Porte Paris, 91100 Corbeil-Essonne. Alors, nous sommes la tour de prière semeur. Et nos programmes, c'est les vendredis à partir de 18h, de 18h à 20h, nous avons culte et enseignement, culte de prière et enseignement. Le dimanche, nous avons deux cultes, le premier culte à 11h et le deuxième culte à partir de 13h30. Et nous sommes donc au 1 rue Fernand Reynaud, zone industrielle de la Porte Paris, 91100 Corbeil-Essonne. Bien aimé, n'oublions pas de soutenir l'opération Maison de prière qui est toujours là, qui continue. Donnez vos dons, s'il vous plaît, envoyez des dons par transfert bancaire, par PayPal, il y a plusieurs moyens où vous faites un envoi, en tout cas, pour que vous puissiez plutôt être participant à l'opération Maison de prière. Le verset du jour, j'ai failli oublier, oh là là, le verset du jour. Voilà, le verset du jour qui est là. Psaume 1 au verset 1. Voilà, on l'a fait hier à l'église dans la prédication. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume chapitre 1 au verset 1. Verset du jour à lire, à mémoriser si possible, en tout cas à connaître. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, vous avez encore la possibilité de partager. Partagez. Permettez à quelqu'un de pouvoir se connecter aussi à cette prière ce matin. Gloire à Dieu, soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve ce soir pour la guerre de minuit, Amen. On se retrouve ce soir pour la guerre de minuit et la guerre de minuit commence à partir de 22h30, allez 22h45 au plus tard, mais 22h30, préparons-nous pour cela et soyons aussi connectés ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Angèle B, je suis dans la joie de te voir, sois bénis. Voilà, sois béni et que le Seigneur bénisse aussi tes enfants. Je vous dis donc à très bientôt. Soyez bénis, soyez bénis. Félix, sois béni du côté de la Guadeloupe. Que le Seigneur te bénisse. Et je vous dis donc à très, très bientôt.
Soyez bénis. Ciao, ciao, ciao. Comme toi.
abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.